Se trouvait dans la mamie de qui? Je ne te crois pas. Tu me crois pas? Non. Ok. C'est pas fini. Quand je suis arrivé là-bas, bienvenue, monsieur Takam. Justement, on t'attendait. Moi, c'est là. Qui vous a dit mon nom? Vas-y, entre. On va tout t'expliquer. Non. Ça fait 3 jours que je marchais, seulement vu la lumière. Là, j'ai dit qu'il vient demander le renseignement. Vous demandez l'identité. Je pars. Donnez-moi l'information. Je pars. Assieds-toi. On va te donner toutes les... Ouais, je veux juste rentrer chez moi. Joyce m'attend. Sa cousine a accouché. Il faut qu'on aille voir l'enfant. Ouais, je veux juste rentrer, non? Tu ne peux pas rentrer parce que tu es mort. Moi, je suis mort. Je suis mort et on ne me dit pas. Pourquoi on ne m'a pas informé? Vas-y, assieds-toi. On va te donner toutes les explications. Je suis mort et les gens ne me disent pas. C'est mon banc. Moi, je ne veux pas asseoir sur le banc. C'est la demande de l'information. Je pars. Tu veux prendre l'information? Je suis venu chercher une info. Je pars. Ok. Attends ton information. Non. Je ne sais pas comment tout s'est passé là. Après, je me suis retrouvé ici avec ça. Ça, tu connais comment on appelle ça? Tu connais comment on appelle ça? Tu ne connais pas. Niveau d'éducation, gros réduit. Tu ne connais pas. Tu connais pourquoi tu es ici? Tu connais pourquoi tu es ici? Est-ce que tu connais pourquoi tu es ici? Non, tu es mort. Moi-même, je suis mort. Je ne sais pas ce qui m'a tué. Tu attends ton verdict et puis tu pars. Moi, j'ai trouvé une astuce pour toujours rentrer. Je suppose que c'était les souvenirs qui étaient dedans et que tu as tout vu. Faut faire attention avec tes mots. Pèse tes mots. Respecte-moi. Parce que je te respecte. Et si on ne se respecte pas, je ne te respecterai pas. Sinon, on ne se respectera point. Parce que ici, c'est le respect qui impose le respect dans le respect de la mutualité du respect. Tu pars d'ici à quel moment? Je ne partirai point. Parce que sur un point, j'ai mis point à ma vie. Toi, tu as mis un point dans ta vie. Comment? Tu n'es pas dans un point final. Il n'était jamais arrivé de voir quelqu'un comme ça là et tu te tais, tu restes sans parler. Qui a trouvé l'autre sur son banc? Moi-même, je parlais comme toi et ça m'a mené au mot passé. Je ne voulais pas que tu t'asseyes sur mon banc. Je t'ai invité sur mon banc. J'étais... Non. Tu es venu. Je faisais comme l'essuie-glace. Tu as insisté. Okay. Tu es venu t'asseoir. Okay. Tu parler, alors tu vas me supporter. Là. Parle. Oui. Parle. Comme si tu veux parler là. Parle. Regarde. C'est le cul ou bien c'est l'œuf que tu mangeais sur le couvercle là, ma mère. Takam Ulrich, fils de Mamonique. S'il te plaît, non, coupable. Je suis innocent de toute accusation. Je ne sais pas ce que les gens me veulent. Les gens m'accusent innocemment. Ils sont toujours comme, merci beaucoup. Parce que ce n'est pas moi. Il faut que je vous explique clairement ce qui se passe. Moi, je n'ai rien fait. Je ne fais même jamais rien. C'est vous, Takam Ulrich? Oui, fils de Mamonique, comme j'ai dit là. Fils de Mamonique. Je suis 13 ans. Oui, à Penka Miché. C'est là-bas aussi que j'ai grandi. J'ai fréquenté au lycée bilingue et tout ça là. J'ai fini, je suis allé à Léniège. Après, j'ai voulu venir à Yaoundé. Je faisais souvent la radio là-bas, radio communautaire. Beaucoup de personnes n'écoutaient pas parce qu'il y a trop de difficultés là-bas. Hein. C'est dur. On ne s'en sort pas. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Pourquoi vous me regardez ces manques? Ça me frustre. Ça me fait peur, ça fait comme si j'étais un enfant de la rue. Tout est dans ce livre. Connaissez-vous ce livre? Non. C'est le livre de la mort.
Le livre de la mort, et il y a mon nom dedans. Oui. Comment? Vous connaissez cet endroit? Non, je sais juste que c'est la maison. Il y a deux hommes en blanc et un autre homme qui a le chapeau noir. Je ne connais pas là où je suis. C'est le département de mort bête. Mort bête? Vous êtes mort bêtement. Bêtement. Vous êtes mort en vous moquant d'un bébé. Moi, c'est là. Oh oui. Parce que non, moi, je ne peux pas me moquer des enfants. Est-ce que moi, je peux me moquer d'un bébé? Est-ce que je peux faire des trucs comme ça? Non. Est-ce qu'on fait ça? On ne se moque pas d'avoir des enfants. Moi, il ne peut pas être. Vous tenez un couvercle, oui ou non? Oui, le couvercle dans ma vie. Sur la table. Chose que souvent la banane pour la vous êtes sur la table. Vous savez pourquoi vous tenez ce couvercle? Non. Parce que c'est lui qui vous a tué. Ici, quand on tient un objet, cela signifie que c'est cet objet qui vous a tué. Ah, je comprends maintenant pourquoi je lance le couvercle que s'il a des puces, ça revient. Genre, je suis Captain America. Oui. Sauf que je fais ma part seulement au Cameroun. Mais je suis mort comment? Je ne crois pas. Je ne crois pas que je suis mort. Hey, vous avez aussi les smartphones ici là. La technologie est d'origine céleste. C'est nous qui inspirons les vivants pour la technologie. Et pourquoi les blancs disent que c'est eux? La classe, le charisme, le... Eke. Comment que la babine m'a tué? Pourquoi? Il y a derrière ça, il y a derrière ça. Je ne vais pas taper, je ne vais pas tuer, je vais cacher le corps directement. Regardez-vous-même, est-ce que j'ai seulement menacé, je ne l'ai pas touché, est-ce qu'elle l'a touché avec? Et puis en même temps, je ne la connais pas, elle n'est pas de ma famille, c'est une sorcière. Takan Ulrich, qui tue par le couvercle, périt par le couvercle. Vous êtes aux portes du ciel, monsieur Takam, et votre sort ne dépend que de vous. Vous n'êtes pas encore totalement mort. Vous pouvez encore vous sauver. Oui, je veux être sauvé. Mais à une condition. Vous devez sagement répondre à l'interrogatoire tout à l'heure auquel nous allons vous soumettre. Si vous répondez bien, vous rentrez chez vous. Mais si vous répondez mal, les portes vous sont largement ouvertes. Au lycée, j'étais souvent fort en QCM. Posez les questions. Monsieur Takam, si on vous demandait, en une phrase, de résumer votre vie, que diriez-vous? Une phrase, c'est beaucoup. C'est un mot. Un succès. Vous êtes un succès. Oui. Ça fait deux mots. Nul en contraction des textes. Et je vais en prendre acte. Question suivante. Combien de fois alliez-vous à l'église par mois? À l'église. La messe du mariage et des enterrements, ça... Combien de fois alliez-vous à l'église par mois? Quand elle draguait encore Morissette, quand elle allait à l'église, je partais aussi pour avoir la chance de toucher sa main au moment de la paix du Christ. Mais quand elle m'a dit officiellement et catégoriquement que non, elle et moi, ça ne peut pas donner. Moi, je devais encore aller à l'église faire quoi? Surtout que quand je repartais là-bas, je sentais la frustration. Ça me rappelait les mauvais souvenirs d'une relation que j'aurais pu avoir. C'est pour ça que j'ai arrêté d'aller à l'église. Vous-même, vous voyez comment ce n'est pas normal. C'est normal, non? Vous y alliez par intérêt. De toutes les manières, passons. Laissons même le sujet de l'église, parce qu'on peut aller à l'église et ne pas avoir la foi en Dieu. Oui, ça c'est vrai. Il y a trop de filles avec les mini jupes à l'église maintenant. C'est pas bon. Takam, combien de fois avez-vous eu à déformer la parole de Dieu dans la Bible? Moi, c'est là. J'ai déformé la parole de Dieu que je connais d'abord la forme de la parole de Dieu. Hein? Est-ce que ceci c'est le triangle, le rectangle ou alors le losange? Je connais la forme de la parole de Dieu, j'ai écrit ça avec lui. Vous l'avez déformé, oui ou non? Non, jamais. Moi, il ne peut pas faire ça. Très bien. Je suis chrétien, mais je ne peux pas faire le truc comme ça. La femme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme. Ensemble, ils feront un et les cousines dormiront au sol. Avec tes pieds de mongolien et ta tête de crapaud là. Ne dérange pas, regarde, je suis comme l'ange Gabriel. Regarde-toi regarde. Aussi. Takam, tu veux pas là dire que tu es très réglo? Je suis réglo, je suis saint, je suis même l'esprit saint.
Si ce n'est que l'autre là, même Kossi. Kossi, c'est que même Kossi, on doit le juger, il doit venir ici là. Parce que lui aussi, il a dit, le Saint-Esprit, c'est mon voisin. Oui, le Saint-Esprit, c'est son voisin comment? Il a la maison ici, il a la maison sur la terre. Kossi porte son caleçon et il vous sert. Chacun s'occupe, n'est-ce pas, de sa fermeture ici. Monsieur Takam, quand vous dites que vous êtes l'ange Gabriel, ou quand vous vous prenez pour le Saint-Esprit, sur quoi vous basez-vous? Il y a certaines choses que quand moi-même je dis, j'oublie. Ah bon? Oui, je pense même que je suis possédé. Possédé? Il y a les démons. Exorcisé, il y a les démons en moi, ils sont nombreux dans la tête. Est-ce que c'est moi, mon pardon alors? On peut négocier, non? On négocie où? Je vous demande pardon, monsieur Takam, on peut? Négocier, non? Genre, on voit qui? Vous voulez négocier? Oui, non. On vous a dit que c'est le Cameroun ici? Justement, je suis Camerounais. Chez nous, au Cameroun, on négocie toujours. Il y a toujours quelqu'un qu'on voit. C'est lequel de vous qu'on voit? Continuez à alourdir votre peine, le jury en prend acte. Alors... Monsieur Takam, de toutes les femmes que vous avez rencontrées, combien avez-vous pu résister? Bon, je ne dirais pas que j'ai résisté. Ah. C'est beaucoup plus elles qui ont résisté. S'il y a 10 filles avec qui je suis sorti, et au moins 7 qui ne savaient pas qu'on sortait ensemble, c'est beaucoup plus avec Joyce là que... Joyce? Oui. Parlant même de Joyce, quels sont vos projets concrètement avec elle? L'émergence. C'est en 2035 que tu considéreras Joyce comme ta femme, c'est ça? Non, ce n'est pas que je veux la considérer en 2035. C'est ceux même qui disent que l'émergence est là. Est-ce que ça veut dire que c'est en 2035 qu'ils vont considérer le pays? C'est, ils considèrent déjà, non. C'est... Et tu attends 2035 concrètement pour quoi faire avec Joyce? C'est parce qu'on ne sait pas encore de quoi l'avenir est fait. On vit au jour le jour. Donc, entre-temps, vous perdez le temps à Joyce en 2035. Je ne perds pas le temps à Joyce. C'est que la vie, elle est comme elle est là. Et tout ça, on ne sait jamais là où on va. Donc, c'est compliqué. Donc, on s'entraide pour l'instant. Ah! On s'entraide. Vous vous entraînez? Oui. Sur Facebook, on l'a fait, la fille bio. La fille bio, très bien. Oui. Tu l'aimes? La question là est dure. Est-ce que tu aimes Joyce? Je passe. Tu passes? La prochaine question. Okay, tu l'aimes, monsieur Takam? Joyce sait, non? Elle sait ce qu'il est sans pour elle. Elle a appelé Joy, envoie. C'est son regard du corps, non? Envoie. Joy, c'est là où? Dieu répondait à la question. Dieu l'a dit si je t'aime ou pas. Vous avez tenté de l'assassiner combien de fois? Moi aussi là. Moi, j'ai tenté de l'assassiner. Vous venez de me dire que vous ne l'aimez pas? Non, je ne l'aimais pas. Je dis que c'est elle qui doit répondre à la question. Et si je dis que c'est moi, je connais, elle connaît, mais je ne joue pas avec les mots. Je ne joue pas avec les mots. Ce sont les gens qui sont dans les débats sur la télé. Voilà, vous-même vous voyez, non? J'ai dit qu'un matin, elle va se réveiller, elle sera déjà morte. Est-ce que j'ai dit que c'est moi qui allais la tuer? Je n'ai pas dit que c'est moi qui allais la tuer. Si quelqu'un doit me tuer, l'autre, c'est elle. C'est sa famille qui me menace tout le temps, non? Monsieur Takam, regardez la vidéo. Il ne regarde plus le smartphone. Très bien. Il ne regarde plus le smartphone. Ok. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, mais je crois que tu vas traverser la porte. Merci. Parce qu'il n'est pas le bon. Oui. Voilà, justement, pardon, expliquez-lui. Dis-lui, c'est comme si quand moi je parle, il ne comprend pas. Expliquez-lui exactement ce que. Monsieur Takam, est-ce que vous allez vous taire et nous laisser parler? Ok, parlez, mais dis-lui exactement le rôle que je joue dans le développement, l'impact. Est-ce que vous allez arrêter avec cette accamérie et nous laisser parler? Ok. Vous avez de la chance, Takam. Vous allez rentrer chez vous. Merci beaucoup. Tu es un 10, gars. Tu es un vrai 10. Merci beaucoup. Si on était au Cameroun, je devais te donner une pierre. C'est pas grâce à lui que tu vas rentrer. Ce n'est non plus grâce à toi que tu vas rentrer. Tout ça, c'est grâce à la personne de Joyce. C'est une bonne femme. Parce que depuis que tu vis avec elle, tu n'étais même jamais présenté chez ses parents. Et s'il t'arrive de mourir, elle aura des comptes à rendre. Et nous ne voulons pas que sa vie prenne un coup négatif. C'est pour ça qu'on va te laisser rentrer. Donc je pars.
Donc je pars à quelle heure? Parce que tout ce que tu dis là est long. Tu as déjà dit que je dois rentrer. Il faut que je parte. Surtout quand vous avez plein de choses à faire. Vous avez le travail ici. Celui-là, je l'ai écouté. Son histoire. Quand il va vous raconter, vous allez rester ici là jusqu'à demain. Ce qu'il m'a raconté. Ya, vous allez passer toute la journée ici. Ma vie fait quoi dans ta bouche? Ma attention! Fais trois attention! Voilà! Vous avez chaud! Vous avez chaud avec. Ouais, c'est quoi? Celui-ci là parle ou quoi maintenant? Et depuis là, tu me vois. C'est quoi non? C'est comme, est-ce que tu vas te taire? C'est que les gens qui viennent souvent à la dernière minute là, ils viennent te regarder! C'est quoi? Takam, c'est quoi Bimoulet? Est-ce que c'est... Tu utilisais ce mot combien de fois par semaine? Moi, c'est rare. C'est rare, je n'utilise pas ça. Tu sais combien de personnes sur Terre utilisent ce mot maintenant? Ok, donc quand quelqu'un doit dire Bimoulet, moi, il doit compter. Oui, parce que quand quelqu'un utilise ce mot... C'est ta tête qui compte. Ah. Alors donc, si quelqu'un dit Bimoulet, ça réduit le jour de ma mort. Ça réduit tes jours de vie. Et les gens disent ça pour quoi? C'est ça que je sais que je t'attends. Non, il faut voir comment on va bloquer ça. Faut bloquer, mettez le mot de passe sur ça. Parce que si on ne fait pas, c'est que même mourir la semaine prochaine. Tu connais pas les gens avec le noir que... Bloquez ça! Mets le mot de passe sur ça. Ouais, je vous supplie, non, je dis seulement pardon. Ouais, il ne faut plus que les gens disent Bimoulet. Ouais, Bimoulet. On a demandé de ne plus dire ça, non? Pourquoi tu dis encore? Pourquoi tu veux détruire ma vie? C'est quoi, non? Pardon. Oh, bah où? Ouais, tu l'as dit, ouais, les gens ne doivent plus dire ça. Est-ce que c'est bien quand les gens disent ça? Je vais me rester, je vais finalement rester. On sera même pas venu les trois. Si c'est que les amis, la maman, c'est papa. Tu veux venir avec maman, la vie. Bimoulet! Dans la chance que tu es protégé par un homme, par un homme. Bimoulet le matin, Bimoulet à midi, Bimoulet le soir, Bimoulet à 13 ans, Bimoulet à 14 ans, Bimoulet à 15 ans, Bimoulet. Je ne frappe, moi je veux que tu reviennes. Tout de suite, tu me remplaces, on te juge encore. Tu es là, tu es là. Et c'est comme ça que je suis rentré sur la terre. Et tu veux que je croie en ça? Tu ne crois pas en ça comment? Donc tu penses que je suis venu ici inventer des histoires pour te raconter? Tout parce que tu m'as donné la nourriture. Je t'ai dit la vérité. Vérité Bimoulet. Mais ouais, pourquoi tu dis encore ça? Ouais, ils m'ont demandé de ne plus dire ça, que ça réduit ma durée de vie sur terre. Ne dis plus ça. Je pense que tu es en train de délirer. Je vais payer la facture. Tu es délire? Tu parles de quel délire? Mes délires de chacun. Moi, je délire. Attends, Joyce, c'était eux qui m'ont parlé. J'ai discuté avec eux. On était là-bas. Ouais, je crois. Ils m'ont dit.